La quincaillerie aixoise, cette année, fête son 70e anniversaire. C'est donc une vieille dame. C'est aujourd'hui le négoce professionnel indépendant, le plus gros des Bouches-du-Rhône. La quincaillerie aixoise, aujourd'hui, c'est 6 agences, 3 salles d'exposition sous la marque Question d'ambiance en sanitaire haut de gamme et une filiale de fourniture industrielle sur le territoire de Martigues et Foss. Nous sommes très fiers et très heureux d'accueillir au sein de notre unité principale de distribution la marque Brennenstuhl, qui est une marque à très forte notoriété, une marque innovante, sa dernière gamme Professional Line, qui s'adresse à la fois à une clientèle d'artisans premium, mais également tout le monde industrielle. Alors nous sommes ici effectivement à la quincaillerie aixoise, qui est un lieu tout à fait exceptionnel dans le monde de la distribution professionnelle. C'est the place to be dans le monde de la coffee. Et exceptionnel dans le sens où il y a toujours eu une forte mise en avant des marques avec des concepts de corner, des concepts de shopping de shop relativement exceptionnels. L'impact du shopping shop sur le chiffre d'affaires du fournisseur référencé dans cet univers dédié, en première année, on frise entre plus 30 et plus 40% d'augmentation du chiffre d'affaires sur l'univers concerné. Et en deux ou trois ans, on peut estimer que le fournisseur peut doubler son chiffre d'affaires. Nous sommes aujourd'hui ici avec une bonne douzaine de mètres d'implantation et une allée principale promotionnelle, chose inégalée pour l'instant auprès de nos autres distributeurs. C'est le travail de plusieurs années, depuis avant les années 2000, donc on a commencé à travailler avec Brennenstuhl. Et on a eu envie de faire un concept un peu plus fourni, un peu plus concentré, après les shopping shops qu'on faisait. Donc on avait vu avec la direction de Brennenstuhl pour pouvoir faire un concept comme vous voyez, là, avec des gondoles marquées Brennenstuhl, un univers bien professionnel et qui retrouve tous les produits de Brennenstuhl. Ce concept est né ici, entre autres. Même le concept Professional Line est un petit peu né ici. Il y a 7 ou 8 ans, nous avons eu quelques contacts dans ce sens pour sortir d'une présentation un peu trop classique et pour mettre un peu plus en avant la marque Brennenstuhl. Et puis après, ça s'est bâti au fur et à mesure de notre relationnel pour arriver à ce résultat-là aujourd'hui. Ce genre d'implantation amène traditionnellement un bel accroissement de chiffre d'affaires de l'ordre de 25 à 30% suivant l'année de la mise en place au moins. Ça permet surtout de vendre une gamme nettement plus large. On sort du 20-80 et puis on propose vraiment du choix à l'utilisateur, au consommateur professionnel qui va découvrir peut-être une gamme plus large que ce qu'il pouvait espérer. Alors les nouveaux produits chez Brennenstuhl, c'est de l'enrouleur, c'est de ça qu'on vient et c'est pour ça qu'on est connu. L'enrouleur un peu sous toutes ses formes, ce n'est pas du tout un produit banal. Et bien entendu une forte croissance dans le domaine des éclairages. La normalisation, la réglementation européenne change quasiment tous les ans, tous les deux ans. Nous nous adaptons, les produits éclairent de mieux en mieux et consomment de moins en moins. La spécialité d'ailleurs de Brennenstuhl dans ce domaine, ça va être l'éclairage professionnel avec AQ, donc sans fil ou hybride.